Ce mardi 21 février, à 23h40, une famille en or revient sur TF1 dans une toute nouvelle version avec Camille Combal à la présentation. Cependant, l'animateur de Danse avec les stars ou qui veut gagner des millions, n'est pas le premier animateur de ce jeu de famille. En effet, c'est Patrick Roy qui était la tête d'affiche de ce jeu télévisé durant les années 1980 et 1990. Patrick Roy a longtemps occupé le paysage audiovisuel français. Très populaire auprès des familles, l'animateur de télévision et de radio s'est éteint le samedi 18 février 1993, à l'âge de 40 ans. Patrick Roy a succombé à un cancer des os foudroyant. Diagnostiqué quelques mois auparavant, l'animateur était hospitalisé dès le mois d'octobre 1992 afin de se faire soigner. Pendant ce temps, ce sont deux autres visages que les téléspectateurs observaient chaque soir, ceux de Bernard Montiel et de Philippe Risoli qui avaient pris la tête d'une famille en or et du juste pris le temps de son rétablissement. Je reçois toujours des cadeaux très appréciés de tous, c'était tout le PAF qui était en deuil lors de sa disparition. 30 ans plus tard, il semblerait que les choses n'aient pas beaucoup changé. En effet, lors de ses funérailles, ce sont près de 3000 personnes qui sont venues présenter leurs hommages à la famille. Colette, sa mère, avait livré un témoignage puissant auprès de France Dimanche lors des 20 ans du décès de son fils. Aussi incroyable que cela puisse paraître, il m'arrive encore de recevoir du courrier ou même des cadeaux de certains fans, se confie-t-elle. Depuis 30 ans, la tombe de l'animateur est régulièrement fleurie par des anonymes qui veulent lui rendre un dernier hommage. Espérons pour Camille Combal saura séduire le cœur des téléspectateurs français au même titre que son prédécesseur. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, Chariot.